Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Alors petit, hein, parce que j'ai pas acheté grand chose cette semaine. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai retrouvé, vous savez, les rouleaux de scotch aimanté là, pour faire mes pochettes, parce que du coup, j'ai pas fini encore mes livrets de dies et de tampons. Donc je vais les continuer cette semaine. Vous savez, c'est ça là. Alors à chaque fois que j'en vois et qu'il y en a dans le rayon, j'en prends. Donc là j'en ai pris 4. Je suis retournée dans la semaine chez Action à Nogent, je crois, sur Oise ou Saint-Maximin. Il y en avait encore, j'en ai pas repris parce que voilà, j'ai encore tout cela à passer avant. Donc ben voilà, mais c'est vrai que quand il y en a, je n'hésite pas à en prendre parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc voilà. Ensuite, Jade s'est pris des blocs 15 par 20 de Noël. Donc elle en a pris 3. Il y en avait 3 qui lui plaisaient. Donc elle en a pris 3. Elle a pris déjà celui-ci dans les teintes rouges. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils font avec leur papier. Mais alors, ils ne sont pas bons du tout. Du coup, vous avez 4 feuilles comme ceci. Alors, vous en avez. Vous avez du foil un peu sur celui-ci. Celle-ci aussi. Ensuite, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup cette feuille. Il y en a 4 également, mais il n'y en a qu'une avec du foil, j'ai l'impression. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime bien celui-ci aussi. On retrouve bien les couleurs Noël. Hein. Des fois, il y a des blocs. On a du mal hein, à se projeter avec. Celui-ci de papier, il est très beau aussi. Elle a bien choisi, hein, franchement. Moi, je voulais pas en prendre des 15-15 et puis elle, enfin, des 15 par 20. Et c'est 15 par 20, ça? 15 par 30. C'est marqué où? C'est 15 par presque 30, en fait, parce qu'en les posant sur le bloc 30-30, eh ben c'est ça, 30 par 15. Ça, c'est trop mignon. La petite voiture avec le sapin sur le toit. C'est pas mal aussi. Ça fait un peu pull de Noël. Hein. Là, vous avez avec le cerf, la petite maison et les sapins. Et là, vous avez des petites licornes. Sur un fond rouge. Je suis désolée, hein, je me suis cassé un ongle. Alors, j'ai pas des jolies mains aujourd'hui. Mais ça va être réparé. Alors, toujours dans les 15-30. Celui-ci, je crois que c'est le petit pingouin hein, qui l'a fait craquer. Il est trop mignon. Alors là, vous avez les sapins. Encore du... Comme un peu de l'écossais, tout ça. Là, je ne sais plus comment. Du tartan. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Là, c'est trop joli avec des petits cerfs. Alors, quand je trouve pas, hein, je brode hein, le mot. Ici des petits cœurs avec des étoiles. Le papier avec les papiers cadeaux. Si vous entendez mon imprimante 3D derrière, c'est normal. Je suis en train d'imprimer une lune pour une institutrice de mon école. Donc voilà, j'ai trouvé une jolie lune. Et là, elle est en train de s'imprimer. Alors je la surveille parce que c'est une vraie boule. Donc. Et comme j'ai pas mis de support, je surveille. Alors là, vous avez les petits pingouins. Puis bon, il y en a quand même pour presque 6 heures d'impression. Donc voilà. Les petits pingous. Alors là, vous avez du foil, mais pas sur les autres. Et j'adore. Franchement, j'adore cette feuille. Là, vous avez des étoiles et des lunes. Ici, vous avez le oh oh oh. Et voilà. Ici le dernier papier, vous avez celui-ci avec du foil avec un canard à bascule. Ouais, je suis en forme ce matin. Un cheval à bascule. Ici c'est le casse-noisette. Là vous avez une espèce de souris, mais alors elle a des oreilles, je ne me rappelle même pas. Alors ici, le papier est trop beau. Hein. Vous pouvez faire des belles boîtes pour faire celles qui font des calendriers de l'Avent. Format livre avec des petites boîtes. Franchement, ce livre est génial.
Celui-ci est trop beau aussi, avec encore... Il est moins chargé que la première page. Moins chargé, mais vraiment très joli, par contre. Moi, je préfère celle-ci. Hein. Elle est moins chargée. Là, vous avez les étoiles. Alors, vous voyez, hein, vous avez... la première est en foil, mais pas les autres. Hein. Comme sur tous les papiers. Ici, vous avez encore des étoiles. Là, vous n'avez pas les étoiles. Alors là, le rappel encore du papier de la première page. Mais moi, j'aime bien aussi celui-ci. Alors là, il y a du foil, mais là, il n'y en a pas. Mais par contre, ça brille quand même. Il y a, il y a un peu de... comme des paillettes. On sent le relief sur le papier. Celui-ci, alors le foil, là, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Je suis honnête, hein, c'est trop. Trop de foil, tu le foil. Là, c'est très beau, par contre. Et pareil, vous avez les paillettes. Et vous avez ce papier-là, blanc, avec du foil, des points foil. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai fait un calendrier aussi de l'avant pour la classe d'une autre collègue, Laetitia. Et bah, j'ai trouvé ma guirlande lumineuse pour mettre dedans. Alors, je vais vous en ouvrir une parce que j'en ai pris trois. Et j'adore. Avec les perles comme ça, ça va être super joli. Et donc, c'est à pile. Pas de risque d'incendie. Donc, voilà quoi. Et franchement, je la trouve trop belle. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à intégrer ça dans mon calendrier. Mais avant de lui donner, je voudrais trouver une... guirlande de Noël, une vraie guirlande de Noël, du coup, couleur or. Mais pour le moment, ils ne les ont pas encore mis chez Action. Après, on ne va pas trop dire non plus. La semaine dernière, je râlais parce qu'ils avaient déjà mis Noël. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça va plus assez vite parce que ce que j'ai besoin, c'est pas encore en rayon. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris trois. Comme ça, si j'ai d'autres calendriers de l'avant à faire, j'ai ce qu'il faut. J'ai trouvé les jeux de dice avec les tampons clear. Alors, à ce que j'ai compris, ils sont à l'envers. Mais bon, il suffit juste de couper et d'imprimer après. Et le problème, normalement, ne devrait pas se poser. Donc voilà, en plus, avec la planche à tamponnage, logiquement, ça devrait aller tout seul. Donc, à voir. Parce qu'effectivement, vous voyez, là, il est à l'endroit et le tampon, il s'intègre ici. Alors que logiquement, c'est pas censé le faire, c'est censé être... en miroir. Donc là, vous avez la couronne. Et ici, vous avez le petit village de Noël avec le sapin, la petite maison, les petites barrières. Et franchement, j'ai trouvé ça joli. Donc j'en ai quatre. Je ne sais pas s'il y a d'autres modèles, mais j'en ai quatre. Et ben, j'ai un lot supplémentaire pour ma copine Cathy. Parce que ben voilà, j'achète toujours. Quand je trouve les trucs, en plusieurs exemplaires, je prends pour ma copine Cathy. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé les peintes, les pearl paints. Alors, c'est surtout pour mes pages de art journal et le mix média que je les ai pris. J'aurais dû prendre un ciseau aussi. Voilà. Donc, on les voit pas trop. On ne voit pas trop à travers, c'est dommage. C'est vert, yellow, donc jaune. Green, yellow, blue, bon bleu. Voilà. Heureusement que chez moi mes couleurs en anglais, purple, ben, c'est violet, pink et silver, argent, pink, rose. Donc voilà, c'est dommage, je ne peux pas vous les montrer et j'avais pas l'intention de les tester tout de suite. Mais on les testera. Donc ça, j'ai trouvé. Comme l'année dernière, ils ont sorti des décors en bois, donc et là ils sont super jolis parce que dessus il y a du foil et voilà. Alors du coup j'ai pris celui-ci parce que je le trouve très très beau avec la ville, la voiture avec le sapin de Noël, la maman qui a ses sacs peut-être de repas pour Noël, les cadeaux et machin, là les sapins, et j'ai trouvé les lampadaires ici, mais très tout ce que j'aime en fait. Et je pense qu'avec un calendrier de l'avance, ça peut passer crème. Je m'expliquerai parce que je vais le faire. Je vous montrerai, je vous ferai un tuto avec pour faire un calendrier de l'avant avec ça. Voilà. Là, j'ai pris, je l'ai pris en deux fois. C'est le décor que on a tous en tête, je pense.
avec le fauteuil, la cheminée, le sapin Noël, les cadeaux de Noël déposés par le Père Noël, la petite table de salon et le petit chat qui dort ici sur son petit coussin. Et je trouve ça mais trop trop joli. Et je pense qu'on peut faire un truc sympa. Donc à voir. De toute façon, je vous ferai un tuto de calendrier de l'Avent certainement dans la semaine. Donc il est censé arriver bientôt. Ensuite, j'ai trouvé les papiers. Alors pour être honnête, je ne les ai pas tous pris. Parce que franchement, il y en a. Je ne me projette pas. Moi, le bleu avec les fleurs et tout, pour moi, c'est pas Noël. Et du coup, je ne l'ai pas pris du tout. Par contre, j'ai trouvé celui-ci. Que je trouve, mais juste bah, les couleurs de Noël, quoi. Rouge, vert. Ça, c'est vraiment un Noël, Noël. Voilà. Avec encore du tartan. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Dites-moi en commentaire, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-là, il fait vraiment Noël. Hein. Vous voyez, là, vous avez déjà les chiffres. Non, les nombres. Un chiffre, des nombres. Comment pour faire votre calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Celui-ci est trop beau. Là. Bon, cette page-là, moi, elle ne me servira pas à grand-chose. À moins que sur un calendrier de l'Avent, vous pouvez mettre ça, là. Mais je suis désolée, j'ai un message. Cette feuille est trop belle. Papier épais. Hein. Et que en recto, donc c'est cool. Là, vous avez des petits décors que vous pouvez découper, vous servir pour faire des cartes. Donc c'est le même papier, je crois. Ça, c'est super sympa quand vous faites du bullet, du planeur et tout ça pour coller au mois de décembre. Ça peut être super sympa d'avoir ce genre de d'étiquette pour décorer votre agenda. Parce que moi, personnellement, je sais que le bullet journal, j'ai arrêté parce que, en fait, je suis trop nulle en dessin. Et du coup, je ne dis pas que je ne vais pas reprendre, étant donné que dans les blocs de chassion, maintenant, on a beaucoup de ce genre de feuilles à découper, à pouvoir coller. Donc, ça peut être super sympa de reprendre le bullet journal, du coup. Voilà, donc, celui-ci, que j'ai pris en un exemplaire. De toute façon, je n'avais pas le choix, il n'y avait plus que ça. Celui-ci, je l'ai pris en deux exemplaires. Je l'ai trouvé super sympa. Alors, ouais, c'est rose, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me suis plus projetée avec celui-ci, j'avoue que un que je vois partout. Et moi, personnellement, je trouve que ça fait pas du tout Noël, quoi. Je sais pas. Après, c'est moi, hein, c'est mon ressenti à moi. Après, heureusement, les goûts, les couleurs de chacune ne se discutent pas. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts. Mais voilà, quoi. Donc, moi, j'ai pris que ces deux-là et j'en ai encore un autre après. Donc voilà, mais vous voyez, j'aime bien parce que ça reste quand même dans l'esprit festif, hein, même s'il y a du rose. Ah, celui-là, c'est les rayures sont, avec ma vie, c'est pas terrible. Là, un petit sapin, des flocons, le Père Joël, du branchage. Des rayures. J'aime beaucoup les chiffres. Alors, attendez. Vous voyez, c'est des paillettes, c'est trop joli. C'est beau, hein, moi j'aime beaucoup. Alors oui, c'est vrai, c'est en haut, ça ne fait pas non plus spécialement Noël. Regardez, mais moi, maman, elle a fait son sapin une année rose. J'avais pas compris. Et en fait, au final, ça rend super joli. Quoi.
Par contre, vous voyez, c'est trop, trop, trop. Et du coup, au niveau des écritures, c'est moyennasse, quoi. Mais pour un planeur, ça peut être sympa. Et voilà. Et le dernier, donc celui-ci, je l'ai pris en double. Et le dernier, c'est celui-ci que j'adore. Donc, si j'en retrouve un, je pense que j'en reprendrai un. Et je reprendrai un comme ça, de façon à en avoir deux. Parce que quand on fait des calendriers de l'avant, des fois, il nous faut deux feuilles de chaque. Mais je crois que là, c'est deux feuilles de chaque, non? Non, c'est une feuille de chaque. Donc, en fait, il faut que j'essaie de retrouver un bloc comme ceci et un bloc rouge. Voilà. Le petit biscuit. Alors là, les numéros sont particuliers parce qu'alors du coup, on ne peut pas avoir des boîtes identiques. Ça, j'avais pas fait gaffe, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir un calendrier de l'Avent avec des boîtes différentes. Et là, il va jusqu'à 25. Aussi. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25. Et ouais, mais les autres aussi, elle est jusqu'à 25. C'est 26 que j'ai été obligée de rajouter sur le calendrier de Laetitia. Parce que 26 élèves, hein, chacun sa petite boîte. Mais là, c'est vrai que du coup, vous êtes obligé d'avoir des boîtes différentes. Bon, après, c'est jouable, hein, c'est faisable. Des petits cœurs. Bon, ben ça fait pas trop Noël, ça fait plus Saint-Valentin. Donc, je dis pas, je vais la mettre de côté, cette page. Cette page est trop belle. Vous découpez là, vous collez ça dans votre planeur. C'est peut-être même ce que je vais faire parce que moi, je vous dis, j'ai un planeur action tout basique là. Et ça y mettra un peu de... Ça le rendra plus gai, celui-là aussi. Ben là, vous pouvez faire vos étiquettes cadeaux, en fait, avec ça. Vous mettez le prénom de la personne à qui vous offrez le cadeau et elle a des jolies étiquettes cadeaux. Par contre, vous voyez, au niveau de l'écriture avec les paillettes, ça fait grossier. C'est ce qui me dérange. Tous. Ouais, ben là c'est pareil, c'est encore pour faire des étiquettes. Hein. Là. Et là. Et voilà. Ben écoutez, voilà ce que j'ai trouvé chez Action dans les produits de Noël. À l'heure d'aujourd'hui, les rayons de Noël sont pas mal dévastés. Hein. Sachant quand même qu'on est que fin septembre, donc on a un peu le temps. Mais c'est vrai que du coup, quand ça se retrouve en rayon. Ben, on le prend tout de suite parce qu'on est toujours, on se demande si au moment de Noël on les trouvera. Donc voilà. Ces papiers-là, moi j'avoue que je les mets de côté. Je les utiliserai pas forcément cette année parce que du coup, tous les calendriers de l'Avent que vous voyez sur YouTube sont faits avec les papiers de cette année. Et moi j'ai encore tous mes papiers de l'année dernière à utiliser. Donc je fais mes vidéos avec les papiers de Noël. Cette année je suis avec les papiers de l'année dernière, comme ça vous ne vous retrouvez pas toujours avec les mêmes papiers sur les vidéos parce que en fait voilà, puis je vous dis, moi il y en a un de bloc que j'ai pas pris parce que je le trouvais moche, enfin pas moche à mon goût, attention, chacun est libre de penser ce qu'il veut du papier. Et voilà, écoutez, moi je vais regarder pour vous faire un petit tuto d'une carte et je vous fais également le tuto pour la boîte pour vos calendriers de l'Avent pour pouvoir les monter tranquillement chez vous. Voilà, voilà. Bon, allez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.